Ok. D'accord. Music is love, music is life. Eh bien, franchement, big up tous les reggae, music addicts. On est sur ça, massif. 22h minuit. Ok. On va revenir sur la tune quand même parce que, franchement, ça c'est fort quand même. C'est fort quand même. Et, oui. C'est ça. Mm-hmm. Prochaine fois, on verra quand même. Chanter ça. Ah ouais. Parce que l'esprit est là, tu l'as demandé, tu l'as trouvé, je te remercie. Et big up Tilcha, ok, parce que on a check aussi, on a capé là aussi, développement, allez, attention, le truc ira, on va passer ça la semaine prochaine, peut-être, on sait jamais, mais attention, tu as demandé, on a trouvé. Tilcha, viens ça. Bon, Sista, oui. On va attaquer la dernière partie de l'émission, la partie un petit peu critique. D'accord. Okay. Mais la partie un petit peu où tous les artistes finalement se retrouvent. D'accord. Donc c'est une façon un peu singulière de se présenter. Ok. Tu veux que ça soit des questions bizarres, c'est ça? Ouais. D'accord. Ouais. Tu m'as pas prévenu, hein? Faut pas répondre de façon bizarre non plus. Hein. Faut faire attention aux réponses. Hein. On est sur Internet, Massif, Big Up le Massif Connecté. Ok. On est sur les ondes aussi, Radio Milpat. Ok, donc c'est un pour toi chinois. Mm-hmm. D'accord, donc. Si tu étais. Si tu étais un super héros, eh ben tiens, moi c'est Superman. Non, moi c'est la meilleure personne. Allez, on y va. Ok, portrait chinois. D'accord. Massif, Big Up Bazot, ok. Sacha, Oujassav, Yamon, donc Sista, Florence. Mm-hmm. Si tu étais une chanson. Si j'étais une chanson, je serais plusieurs chansons. Mais alors là, ce soir, je serais Bouleversé de Tania Salvay. Bon, c'est pas forcément de notre répertoire, mais. En tout cas, big up! Tu m'as invité en connaissance de. Oui, oui, oui! C'est un morceau qu'on connaît pas beaucoup d'elle. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? C'est un morceau qu'on connaît pas beaucoup d'elle, c'est un morceau d'amour qui. Ouais, c'est bouleversé, quoi. Bouleversé, en disant, ouais. C'est. La façon dont la montre. Oui, c'est du zouk. C'est vrai, c'est du Tania, mais c'est du super Tania. C'est. C'était sur l'album Amethyst, et c'est un morceau magnifique à mon sens. Bon. Chacun son style. Mais je vais te faire découvrir. Tu me diras à ce moment-là ce que tu en penses. Ok. La semaine prochaine, on le diffuse. D'accord. Parfait. Si c'est bon. C'est bon. Donc, tu peux me faire confiance. C'est bon. Si tu étais un animal. Un chat. Avec son indépendance. Ouais, c'est des espèces d'animaux ingrats, je trouve, c'est vrai. Ah, mais ouais, bon, ouais. Je trouve ça très. Ouais. Très gracieux, très royal. J'aime bien les chats. Bon, les chats. Tu vois, je serais Dixie. Gracieuse. Dixie, tu connais. Mais oui, big up Dixie, je te dis, c'est toi que j'aime. Big up, bon. Si tu étais une couleur. Vert. C'est ma couleur. Ok, moi c'est la mienne aussi. C'est l'espoir, ouais. Eh ben voilà. C'est l'espoir. C'est l'espoir, je crois que c'est le champ de canne. Voilà, c'est le champ de canne. Ok. Okay. Si tu étais un pays. La Guadeloupe. Je suis la Guadeloupe. Bon, alors, big up tous les géographes. Okay. Big up tous les. Big up. Hey, Madame Kitman, big up bon, hein, parce que. Elle m'a dit que c'était un département d'outre-mer. Ah non, c'est un pays. C'est un pays à part entière. Il y a trop de spécificités dans cette petite île-là pour que ce soit un pays. D'accord, donc toi tu viens de la Guadeloupe, donc tu revendiques. À fond. Non, tu es pas indépendantiste. Oh, ça peut m'arriver d'avoir des idées très indépendantes ici. D'accord. Il faut être un peu prudent, il faut être. Voilà, c'est. D'accord. Je suis indépendantiste tout court, ça ne veut pas dire grand-chose, mais. Tu militantes. Oui, je suis militante. D'accord. Mais alors, là aussi, il y a eu quelques événements, quelques années. Ouais, passées. En 2009, ouais, voilà. Mm-hmm, les 44 jours de grève. Donc alors, pour arriver à obtenir des. Obtenir, c'est même pas des privilèges, obtenir de la justice.
je suis pas sûre qu'on soit arrivé au bout du... Oui, il y a des injustices, mais tu sais bien, tu sais très bien comment ça se passe chez nous. Oui, il y a des injustices. De temps en temps, on se dit que la colonisation n'est pas tout à fait terminée. Et que, voilà, moi, mon propos reste le même, hein, il faut se prendre en main. Je pense que c'est pas la peine de bavier, de roucler, de revendiquer si on fait pas ce qu'il faut derrière. Donc voilà, mais cette grève-là, à mon avis, c'était un gros premier pas. C'était plusieurs premiers pas vers quelque chose. Et il faudrait ou il faut que ça perdure, que ça aboutisse à quelque chose de concret, voilà, et de satisfaisant. C'est pas forcément le cas, malheureusement. Ah voilà, c'est ce que je veux entendre aussi. C'est pas forcément le cas. Non, vrai. Mais bon, fallait un mouvement. Voilà, ok. Peut-être un prochain mouvement. Oui, j'espère. Peut-être pas forcément dans ce sens-là, puisque ça n'a pas toujours été bénéfique, mais il faut des mouvements. Ok. Flo, il y a un truc qui me vient là, parce que ce soir, c'est full vibes. Yeah. Ok. J'ai vu avant de partir de chez moi qu'il y avait des manifestations. Aujourd'hui. Ouais. Contre le mariage homosexuel, alors, c'est ça. Qu'en penses-tu? Que je ne peux pas aller manifester contre le mariage homosexuel. Je pense qu'il y a. D'abord, je pense qu'il y a beaucoup d'autres. On est en guerre. Sujets. On est en guerre au Mali. Ah oui, on est en guerre au Mali, par exemple. Tu vois, par exemple. Il y a des choses un peu plus urgentes. En patriété, je crois. Et puis, je crois effectivement aussi que le couple idéal, tel que la société a l'air de le concevoir, n'est pas forcément le couple qui convient à tout le monde. Alors, est-ce qu'il faut empêcher les uns et les autres de se marier, forcément? Ou est-ce qu'il faut... Oui, je prends position. Je ne suis pas contre le mariage homosexuel. Je suis pour. Il y a plein d'autres choses. Enfin, voilà. Qu'est-ce qui m'embête encore? Cette histoire d'adoption. On a quand même des familles dites normales qui partent dans tous les sens, avec des pères alcooliques ou absents. C'est une justification à des revendications liées à une direction sexuelle, en fait. De moi? Non. C'est-à-dire que si on prend l'homosexualité comme une orientation sexuelle, en fait, donc, est-ce que l'orientation sexuelle est une justification à des revendications finalement sociales, l'adoption? Ah, mais non, justement, je suis pas sûr. Tu vois, je suis pas sûr qu'on doit se concentrer sur ça pour prendre ce genre de décision. Je pense pas que l'orientation sexuelle soit le moteur de l'éducation, par exemple. Tu vois? Alors, pour le mariage? Pour le mariage, pour l'adoption surtout. Là, je pense surtout à l'adoption. Ouais. D'accord. Comme le disait quelqu'un aujourd'hui, ce sont des parents hétérosexuels qui ont donné naissance à des enfants homosexuels. Donc, oui. Voilà quoi. D'accord. Mais... On va passer la nuit ici. On va passer la nuit là. Je connais déjà nos discussions. Ah, on va passer la nuit là. Ah ouais, on va passer la nuit là. Donc, là aussi, donc en tout cas pour rebondir, parce que massif, manifestez-vous 01 69 10 05 53, le débat est ouvert, pourquoi pas, il est minuit. On est là. Il reste 2 minutes, 3 minutes, on est là, il n'y a pas de problème. Mais, donc, pour effectivement, donc, tu n'es pas allé manifester cet après-midi? Non, mais non. D'accord. Mais non. Ok. Alors, penses-tu que l'abbé du Moule. Ouais. Prendre position ou que penses-tu, que pourrais-tu imaginer, je dirais, de la position de l'abbé du Moule à se dire